Axel ha la mano, sì. Un court-métrage coup de poing, Abel Ferrara, Willem Dafoe en mode Dolce Vita et enfin Vincent Cassel et Kristen Stewart en eau profonde. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous, nous sommes en compagnie comme chaque semaine de Thomas Borez et bonjour. Aujourd'hui du réalisateur Rémy Allier. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Rémy Allier, vous avez remporté le César du court-métrage pour Les Petites Mains, un court-métrage très fort, assez éprouvant, je dois le dire, quand on est parent, on va en parler. Vous êtes en présélection pour les prochains Oscars. On croise évidemment les doigts. Avant qu'on en parle ensemble, Thomas va nous retracer un peu votre parcours et ce film. Voilà, vous êtes donc réalisateur, ça on l'a compris. Vous êtes français, vous êtes né à Mâcon en 1988. Vous êtes un peu belge d'adoption, parce que vous avez étudié en partie la réalisation en partie en France, mais aussi à Louvain-la-Neuve, vous avez étudié donc la réalisation, et vous vivez, je crois savoir, donc à Bruxelles. Alors, Les Petites Mains est votre troisième court-métrage. C'est une coproduction franco-belge. Et c'est une histoire vue à hauteur eh bien, d'un petit bonhomme de 2-3 ans, un enfant qui va se faire kidnapper par l'employé d'une usine sur le point d'être fermé. L'enfant n'est autre que le fils du patron. Alors en 15 minutes à peine, vous arrivez à évoquer la brutalité du monde de travail, le désespoir qu'elle peut également engendrer. Louise l'a dit, c'est vrai qu'en tant que parent, quand on entend les cris du petit enfant demandant sa maman, c'est difficilement soutenable. Et pourtant, bien, la tendresse parvient aussi à prendre le dessus. Bref, pas besoin d'effets spéciaux, de 3D ou encore 3h40 de film pour procurer un déluge d'émotions. On va en parler justement avec vous. On regarde d'abord un extrait. Alors il s'agit de l'enlèvement justement. Alors, âme sensible, s'abstenir, regardez. On le voit demain. Voilà. Je reviens, j'arrive tout de suite. Oui. Voilà, c'est très fort. Alors, Rémy Allier, comment est née cette histoire et surtout cette volonté de mettre un enfant au centre de la violence du monde adulte ? J'ai pas de réponse définitive là-dessus, mais moi, j'ai toujours été fasciné par l'enfance, par les enfants. Déjà tout petit, j'observais beaucoup les tout petits. Et en fait, à l'école de cinéma, à l'IAD, donc à Louvain-la-Neuve, en première année, on doit dire devant l'école ce qu'on est venu faire là. Moi, j'ai dit, je veux filmer des bébés. On s'est un peu moqué de moi. Le prof m'a dit que je le ferais jamais parce qu'il fallait pas faire ça. Et puis, je suis un peu têtu, donc j'ai insisté et j'ai fait des films avec les enfants pendant mes études. Et puis ensuite, quand je suis sorti, j'ai écrit Les Petites Mains. Mais c'est vraiment la question qu'on a quand on regarde votre film. Comment est-ce qu'on fait pour diriger un tout petit comme ça et pour obtenir ce qu'on voit, nous, à l'écran, qui est impressionnant? C'est tout le cœur de mon travail, clairement. C'est de comprendre comment faire pour emmener les enfants dans le jeu du cinéma, qui n'est plus tout à fait un jeu d'enfant, qui est un jeu, jeu d'acteur, qui se rapproche d'un travail, pour nous, en tout cas, adultes. Et il faut transformer le plateau de cinéma, véritablement, en une aire de jeu. Et tout ce qui est nous, nos outils, etc., on les transforme en jouets, en outils qui amènent le jeu de l'enfant. Il se rend pas du tout compte de ce qu'il a. Absolument pas. Il comprend les deux enfants. Donc il y a Émile qu'on voit à l'écran, dont on voit le visage, et Camille qui est une doublure. Eux, ils se sont rendus compte de rien à part du fait qu'on passait une semaine et demie avec des amis, à s'amuser, à faire différentes choses avec des objets bizarres que sont les caméras, les micros. Mais sans ça, non, ils se rendent pas compte. Ils savent en plus à cet âge-là pas du tout ce qu'est un film. Mais par contre, ils comprennent qu'on attend quelque chose d'eux. Et ils comprennent que quand on vient les chercher et qu'on les amène sur cet endroit, il y a quelque chose de particulier qui se passe, un jeu particulier où il y a une attention particulière et aussi une implication de chacun très très forte dans ce qu'on fait. Et comme c'est deux enfants qui me sont très proches, Émile, c'est le fils de la costumière et de l'accessoiriste qui sont de très bons amis à moi, et Camille, c'est le fils d'un autre couple d'amis, ils sentaient une grande bienveillance de tout le monde autour d'eux et donc une confiance qui permettait de faire que les jeux que je proposais étaient les mêmes jeux que ceux que je pouvais proposer dans la vie quotidienne. Donc ils les faisaient avec plaisir et il se trouve que du coup on obtenait des choses qui permettaient de faire rentrer du cinéma là-dedans. Alors au-delà de l'enfant, c'est un peu, Thomas l'a dit, la violence du monde du travail, la violence de la société que vous montrez, et en 15 minutes, on n'est pas dans le manichéisme, c'est jamais dans la facilité. Comment vous avez trouvé cette justesse pour retracer ça aussi vite ?
Comment j'ai trouvé la justesse, je sais pas trop. Bah, c'est moi, c'est voilà, c'est une volonté de parler de ce qui me révolte, de ce qui me questionne dans notre monde, et donc la violence, par exemple, des fermetures d'usines et le désespoir que ça peut créer, et du coup la violence que ce désespoir engendre, et de réfléchir un peu en amont de ça, d'où vient cette violence ? Parce que la violence, elle n'est pas du fait des violents, elle est du fait de qu'est-ce qui les pousse à être violents. Il faut toujours réfléchir à ces causes-là. Et le fait d'adopter le point de vue de l'enfant fait qu'on reçoit cette violence de plein fouet, elle est extrêmement violente, et donc on la juge d'emblée à gros traits, pour ensuite ressentir, changer de point de vue avec l'enfant, et commencer à réfléchir à voilà, quelle serait la source de cette violence, et qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme qui est arrivé à de telles extrémités. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est, puisque vous parlez du point de vue de l'enfant, le hors-champ est très présent, c'est-à-dire qu'on reste sur une courte vue d'une certaine manière, et c'est tout le hors-champ qui prend une place. Moi j'ai pensé aussi à un film, est-ce qu'on voit des films qui ont traité à peu près de ça? Par exemple, je pense à Ponette de Jacques Doyon, qui était un peu le film emblématique de l'enfance. Est-ce que vous l'avez revu? Est-ce que vous vous êtes inspiré du travail d'autres personnes, réalisateurs, pour mettre en scène votre film? Bah alors oui et non, parce que la première chose, c'est non, parce que en fait un film avec un enfant de cet âge-là, aussi jeune, en personnage principal, j'en ai trouvé aucun. Et donc du coup, je n'ai pas pu m'inspirer véritablement, ce qui est très intéressant et excitant, mais aussi très... Voilà, c'est un peu, on se jette dans l'inconnu. Par contre, vous parlez de Jacques Doyon, et oui, Jacques Doyon, je l'ai rencontré pour faire mon mémoire de fin d'études sur le travail avec les enfants. Et je lui ai parlé de mon envie de faire un film avec un bébé au centre de la fiction, et lui m'a dit, mais oui, toute ma vie, j'ai voulu faire ça sans jamais trouver comment le faire. Et donc on a beaucoup discuté. Et le lendemain de la remise de mon mémoire, donc quand j'ai été diplômé, ouais, j'ai écrit dans mon carnet « Et si un enfant était enlevé à sa mère ?» Et c'était le point de départ des petites mains, en fait. D'accord. Au César, il y a votre productrice qui a dit « Bah voilà, on espère que ce prix va nous aider pour concrétiser maintenant l'aventure du long métrage. » Un an après, où en est-on de ce long métrage ? Eh ben, on est en train de l'écrire. Ça avance. Ça s'est débloqué il y a quelques mois. Enfin voilà, c'est un travail. L'écriture, c'est un travail complexe et très excitant, très riche. Et là, ça s'est débloqué il y a quelques mois et j'avance vers un projet qui me plaît beaucoup. Toujours avec les enfants au cœur. Toujours avec les enfants. C'est une petite fille cette fois. Bon, on a hâte de découvrir ça. Vous restez encore un peu avec nous, Rémi Allier. On va enchaîner avec l'actu en salle, Thomas. C'est Tommaso, le nouveau long métrage de l'éternel rescapé du cinéma américain, Abel Ferrara. Un film tourné sur ses terres d'adoption, Rome, en Italie. Voilà, l'enfant terrible de New York, le camé du bitume qui est apparu à la fin des 70s, eh bien, est devenu presque un vieux sage, touché par la foi et la grâce. Donc en Italie, où il réside désormais, c'est la sixième collaboration entre Abel Ferrara et William Dafoe après New Rose Hotel, Gogotels, 4h44, Dernier jour sur Terre, Pasolini en attendant, Siberia. Voilà, alors Tommaso, c'est une sorte d'autoportrait du cinéaste. Hein, le héros, hein, qui est incarné par William Dafoe, est un artiste qui vit a priori sagement à Rome, entouré de sa femme et de sa fille, jusqu'au jour où eh bien, ses tourments intérieurs le rattrapent et prennent peut-être le dessus. Voilà, on y va. You're so busy, you forget I'm a woman. Stai zitto! Stai spaventando mia figlia! Basta! You know, I'm haunted a little bit by the fact that I get these paranoid thoughts. And you don't even help me with anything! Stop it! You're a big problem! I need you! I need you! Guys! Ah! Shut! You think that you know the truth? Why is someone like you upsetting the people? Why? Voilà, alors la filmographie d'Abel Ferrara est assez chaotique, on peut le dire comme ça, avec quand même quelques chefs-d'œuvre. Rémi, vous aimez son cinéma ? Ah oui, moi c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. Bad Lieutenant, c'est un monument, c'est un film qui est hyper important pour moi. Alors Thomas, où est-ce que se situe ce Tommaso ? On est sur le chef-d'œuvre ou... Alors on est loin quand même de Baliotement et encore. C'est-à-dire, on l'a dit, Abel Ferrara, il a 68 ans aujourd'hui, c'est à Sagi. C'est vrai que c'est difficile de le comparer avec le ton fiévreux qui débordait de partout de ses œuvres de jeunesse, hein, The King of New York, ou encore Bad Lieutenant, un film quasi christique, hein, avec Harvey Keitel, dans le rôle d'un camé. Voilà, il filmait la Big Apple bien avant sa gentrification, avec des personnages cramés, qui se crament à petit feu. Alors c'est vrai que Willem Dafoe, d'ailleurs, l'avait connu à cette époque, hein, il n'en gardait pas un très très bon souvenir, parce que c'est vrai que Abel Ferrara était alors sous l'emprise de diverses substances, donc ingérables. À noter, puisqu'on parlait de l'œuvre d'Abel Ferrara, qu'en marge de la sortie de ce Tommaso, il y a 5 films qui ressortent en salle, notamment Gogotales et
vous parliez tout à l'heure, Rémi de Bad Lieutenant, vous pourrez le revoir sur grand écran. Voilà, alors le Louvre passé dont j'évoquais, bah justement, il se retrouve dans Tommaso, et on a l'impression que c'est ce passé, Abel Ferrara le porte comme une croix, et donc c'est le film en forme de rédemption, et en même temps, il y a quelque chose d'assez léger qui diffère des autres œuvres de Abel Ferrara. Voilà, il y a un film qui porte en lui tous les autres films de Ferrara. J'ai dit, c'est ça qui est beau et tragique à la fois, et surtout, il y a Willem Dafoe qui est absolument magnifique. Alors, on va terminer avec Kristen Stewart et Vincent Cassel dans Underwater de William Eubank. Voilà, Underwater, sous l'eau. Donc, comme on est à Hollywood, on ne fait pas les choses à moitié. Donc, on est carrément 11 km, je crois, dans les profondeurs. Voilà, c'est des scientifiques. Bien sûr, problème, il y a un tremblement de terre. Et donc, ça réveille une bébête, plus ou moins rose. Voilà, on est à mi-chemin entre Alien de Ridley Scott et Abyss de James Cameron. Autant dire que Underwater a le cul entre deux chaises et ça va être difficile de sortir la tête hors de l'eau. Voilà, un challenge, on s'en doute, difficilement surmontable. Pardon, un naufrage ou raz de marée. En tout cas, c'est le public de tranchée. La 20th Century Fox, le studio qui a produit le film, a les yeux rivés sur les compteurs du box-office, on s'en doute. Bon, merci beaucoup Thomas, à la semaine prochaine. Évidemment, merci beaucoup Rémi Allier d'être venu nous parler de ce magnifique court-métrage Les Petites Mains On Croise, je lâche mon stylo, les doigts, pour les Oscars. Réponse le lundi 13 janvier. Merci évidemment aussi à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur France24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte sur des images de Vincent Cassel et Kristen Stewart dans Underwater. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Following us.